Pour l'entraîneur du Real Madrid, l'attaquant de Chelsea est un joueur fantastique. Zinedine Zidane l'a fait savoir lors de la conférence de presse vendredi, à la veille de son match de Liga contre Eibar. Ce que je peux dire, c'est que c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, comme tout le monde le sait, a-t-il déclaré. Cet éloge du technicien français fait penser à un possible transfert de l'attaquant belge de Chelsea, cet été, vers le club madrilène. Premier League, Chelsea surprend Southampton. C'est un joueur qui a joué en France, que j'ai beaucoup regardé et que je connais personnellement. Mais il n'y a rien de nouveau sur ce que je pense de lui comme joueur, c'est un joueur fantastique. Depuis son retour le 11 mars dernier sur le banc des Meringues, Zinedine Zidane n'a pas arrêté de réfléchir sur la composition d'une équipe idéale avec laquelle il pourrait relancer son club. Toutefois, Zidane s'est refusé d'émettre tout commentaire sur une éventuelle démarche du Real pour le transfert du Belge cet été dans la capitale espagnole. « Je ne vais pas donner mon avis personnel, on en parlera à la fin de cette saison ou au début de la prochaine », a-t-il signalé. La shortlist du Ballon d'Or 2018 publiait un but d'Eden Hazard qui coûte très cher. Eden Hazard, âgé de 28 ans et toujours sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2020, n'a pas caché son envie de rejoindre un jour le Real Madrid. Seulement, il y a peu de chances que Chelsea, interdit de recrutement jusqu'à fin janvier 2020, puisse le libérer en fin de saison. Selon les médias espagnols, une enveloppe de près de 500 millions d'euros est mise à la disposition de Zinedine Zidane pour le recrutement, afin de rebâtir l'effectif du Real Madrid.